Merci aux boys, man. J'espère que vous allez bien, la famille. Aujourd'hui, on va faire une dégustation exceptionnelle au Quick de la gare. Et oui, des Quick, il n'y en a pas beaucoup, mais aujourd'hui, dégustation légendaire du Burger Koé, le Koé Burger. Et oui, la famille, il est revenu après 16 ans d'absence dans les cartes du Quick. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais goûté parce qu'à l'époque, j'avais 9 ans et que je ne consommais pas de burger. Mais je suis avec une fine équipe de gens. Certains ont testé le Koé Burger et ils vont nous livrer leurs impressions pour savoir si la recette a changé, si c'est aussi bon qu'avant. Donc je vous propose qu'on se rende tout de suite au restaurant et on va découvrir le Koé Burger tous ensemble. Allez, suivez-moi. Alfredo Degustado, le gourmet de Montpellier. Donc là, je suis en présence du Koé Burger. Incroyable burger que voici. Donc je vais le regarder. Alors déjà, première impression, ça sent la sauce du Giant. Cette espèce de sauce un peu goût curry, un peu goût kiri, je sais pas si vous voyez, qu'il y a dans le Giant Chicken, dans le Giant le bacon, ou je sais pas quoi là. Donc déjà, ça met en confiance. On voit ici très nettement les trois steaks avec un peu de fromage, un peu de salade, la sauce. Et des petites cacahuètes ici, je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc on va procéder à la dégustation. Le meilleur burger de l'univers. Let's go. Wow. Vaste ça, les façons. Voilà. Alors, c'est bon? Franchement, franchement, c'est pas ouf. Franchement, je ne sais pas quoi dire. C'est un métier de remplir du vide. Non, mais bon, vraiment, je pourrais vous faire. Si j'étais un mec du métier, je pourrais vous dire que c'est une explosion de saveur, mais je ne le pense pas du tout. Le Koé Burger, il était très bon. Il était ouf ici. Je pense que vraiment. C'est un burger classique, quoi. Bah voilà, il faut le dire. Vraiment, il n'y avait pas de quoi faire le forcing sur internet pendant 16 ans pour ça. La sauce est bonne, hein, bien sûr. Mais c'est juste le Giant Bacon avec beaucoup plus de steak, mais sans bacon, quoi. Donc, je trouve qu'au limite, il y a trop de steak par rapport au peu de sauce qu'il peut y avoir. Ça manque de salade, là vous voyez, il y a une toute petite portion de salade, mais vraiment c'est quasiment rien, quoi. Et puis ça manque de bacon aussi, enfin je sais pas. Toute petite tomate de rien du tout. C'est un Koé qui se fait roast. Je suis un peu déçu là, quand même. J'ai attendu 16 ans de ma vie pour ça, je sais pas, un peu déçu. J'ai payé combien ça vient ? 10,50€. J'ai payé 10,50€ de ma bourse d'étudiant à 300€ du mois pour ce truc qui est juste. Bah voilà quoi. Enfin, je veux dire, je commandais le Giant à 7€, ça m'en revenait moins cher et c'était meilleur que ça quoi. Vraiment, bon, je vais finir quand même parce que faut pas déconner quoi, mais très déçu. Alors, comment tu te sens après ce Koé Burger ? Une bonne blague. Ouais, je me sens sale. Hein. Je me sens comme si j'avais voté Macron au second tour. Ah là là, bon écoutez, on sort du Koé Burger là, j'en ai mal au ventre. Franchement, je trouve que c'était pas dégueu non plus, mais pour le prix, vraiment, c'est complètement abusé. Les trois steaks, vraiment, c'est la fausse bonne idée du burger parce que les steaks de base au Quick sont dégueux. Et ce qui les sauve, c'est la sauce. Mais là, il n'y avait clairement pas assez de sauce par rapport à la consistance du burger. Donc, ça donne un côté très sec dans la bouche. Et voilà, il n'y a pas de bacon. Il n'y a pas de roquette comme pour le Giant Bacon. Là, vraiment, c'est ni fait ni à faire, ce burger, en fait. Hein. Et donc, on fait monter la hype comme ça pendant 5 ans.
16 ans d'attente pour ça, et au final, quoi, les personnes qui étaient avec moi, parmi les personnes qui étaient avec moi, il y en a une personne qui a pris le chicken, nouvelle recette, bah, qui n'était pas non plus exceptionnelle, voilà, c'était juste du chicken de quick sans plus. Et la personne qui a commandé qui avait goûté le burger curry d'il y a 16 ans a dit qu'au final bah, c'était exactement pareil sans aucune plus-value et que ses faux souvenirs d'enfant l'avaient induit en erreur parce qu'au final ça a toujours été la même merde. C'est ça la conclusion de cette review. Et 16 ans plus tard, en fait, on joue avec notre nostalgie d'enfant pour nous revendre exactement la même merde, beaucoup plus cher parce qu'il y a eu l'inflation en même temps. Ça, on le dit pas, mais je suis sûr que le Koué Burger, il coûtait 5 euros moins cher et que maintenant, ils te vendent ça 10 balles, alors que c'est exactement la même merde, en moins bien peut-être. Donc, quoi, vous savez ce que je vais faire là. Je vais rendre la monnaie sa pièce à Koué. Parce que franchement, c'est vraiment incroyable. Incroyable. Il est tout content, regardez. Il est tout content de m'avoir revendu exactement la même merde qu'il y a 16 ans avec son lifting là, parce qu'il a plus du tout cette gueule. Bougez pas. Koué arrive juste après ce hit sur Énergie. Koué, Koué, Koué. Je sais faire les jingles en rotant. Ça vous intéresse? Non? Et avec les fesses? Scandale. Du grand cinéma ici. Hein. C'est comme ça qu'il a commencé Scorsese. En filmant des quicks. En filmant des dégustations de quicks. En filmant le quick de sa vie. Bien sûr. On en trouve des traces encore. Il n'y a pas où il y avait encore des quicks.